Mais pour lui, ça monte jusqu'à 60-70%. Donc, qui m'a fait le hal, il y a des bidayas, ou qui m'a fait l'inauguration de Chine Lyon, qui a été la page d'Ida. Il a dit qu'il y a un accord qui est 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 un accord. Écoutez, aujourd'hui, on est très heureux de cet événement, on est très heureux de cette inauguration et on est très heureux de la présence de monsieur le ministre du Tourisme qui est venu aujourd'hui à Mohammedia. Sa présence est un moment extrêmement important et un moment très très fort parce que c'est un signal qui veut dire que Mohammedia est une destination touristique et qui a une ambition touristique. Et la présence de monsieur le ministre, elle vient pour encourager et pour soutenir une initiative du groupe Mfaddal qui a eu le courage de croire dans sa ville, de croire dans le potentiel touristique de Mohammedia en inaugurant il y a quelques mois le Libis qui est le premier 3 étoiles norme internationale et aujourd'hui un deuxième joyau, un très beau 4 étoiles avec une très belle marque qui est la marque Novotel qui fait partie d'un des leaders de l'hôtellerie mondiale qui est le groupe Accor et on est très heureux en tant qu'Accor Hotels de participer aujourd'hui à cette magnifique aventure qui est celle de donner de la visibilité sur le plan international à la ville de Mohammedia et d'offrir un produit nouvelle génération avec tout le confort pour accueillir aussi bien des voyageurs d'affaires que des touristes de loisirs à Mohammedia. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.